Yo la famille, Eriton toujours, on dit quoi ici? Il a fait une vidéo qui a fait trembler YouTube là. Oh franchement, Eriton tu deviens fuyant. Mais oui, oh, juste pour déconner, dans cette vidéo on va parler de deux artistes, deux grands artistes coupés décalés, hein, et non des moindres. Franchement, un artiste qui me surprend au fil des années, Kidji Wara DJ. Comme je vous dis, cette vidéo va concerner des Bordeaux et Kidji Wara DJ, donc on se prend juste après le générique les amis. Laissez les gens parler. Et toi, avance, c'est le plus important. À tout à l'heure. Tu sais, tout dépend de toi. Tu n'as qu'à le dire et je serai là. Petite intro rapidement. Petite intro, hein. Voilà. Moi, j'aime bien faire la mise au point avant de rentrer dans le vif du sujet. Première chose, si beaucoup parmi mes abonnés, beaucoup parmi mes admirateurs, beaucoup parmi ceux qui me suivent, trouvent un peu de sagesse en moi, trouvent un peu d'intelligence en moi, c'est pas moi qui le dis en fait. Ce sont eux qui le disent. Ce sont eux qui m'admirent. Ne soyez pas jaloux, les amis. Ne soyez pas jaloux. Parce que bien avant de créer cette chaîne, chacun a son idéologie pour YouTube. C'est-à-dire, chacun sait ce qu'il vient faire sur YouTube. Je sais pas le verlan, je sais pas le noci, je sais faire tout ça. Mais si je portais la casquette d'un mec tranquille, ça, sachez simplement que c'est l'image de l'éducation que j'ai reçue. Voilà. Parce que mes parents m'ont appris à ne pas mentir. En tout cas, pas dans ce genre de choses-là. Chez nous, les Abidji, chez nous, les Abidji, un peuple très discret de la Côte d'Ivoire, quand c'est rouge, sois qui tu veux. Même au mépris de notre vie, on te dit ça. Et puis on avance. On parle de Bété, on parle de Dioula, on parle de Gouro, de Dida. On parle même des abeilles. Mais demandez même aux abeilles, ils vous diront. Donc ne cherchez pas à me comprendre. Je suis un acteur de promotion de la musique ivoirienne parce que j'adore ma musique ivoirienne. Je ne suis pas là pour les fans de Didier Arafat, surtout vous. Je ne suis pas là pour vous. Didier Arafat n'est pas la propriété privée de quelqu'un. Donc, on me dit, quand on voit une expression qui me plaît bien, je m'en batte les couilles et je vous embrasse tous. Voilà, c'est juste pour déconner. Arrêtez de vous fatiguer. Parce que le mec, on dit, oh, il est intelligent, il est rempli de sagesse, ça vous fait mal, c'est pas ma faute. C'est ce que je dis là. C'est dans ça qu'il trouve un peu de sagesse et un peu d'intelligence. C'est ma faute. Mais pas bah, t'es chier. Pas bah, t'es chier. C'est bizarre, hein? Beaucoup me connaissent en tant que fan des Bordeaux, mais bizarrement, mes nouveaux amis depuis que je suis sur le net, c'est-à-dire depuis que je suis youtubeur, ils voient rien là. C'est beaucoup de fans de Didier Arafat. Bizarre, non? Bizarre. C'est parce qu'ils ont vu la vérité là en moi. Excusez-moi si je suis long avant de commencer le sujet même de la vidéo hein, qui concerne des Bordeaux et Kedji Vara. Donc arrêtez. Et puis ceux qui vont venir me dire de ne pas m'attarder sur eux, tout ça, non, ces gens-là, faut apprendre à les répondre souvent. Parce que c'est trop, gens tout permis, ils font ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent. Je m'en batte les couilles et je vous en prince tous. Voilà. Donc ne vous fatiguez pas. J'ai dit ma vérité. Je n'ai pas envie de vous faire un cours de marketing web. Je n'ai pas envie. Parce que si je le fais encore, ils m'ont dit qu'il a envie de se montrer trop intelligent, trop intéressant. Je ne veux même pas me fatiguer. Mais tout ce que je vais vous demander, de me répondre en commentaire, vous connaissez, hein? Parce que ce speech-là, il n'est pas adressé à tout le monde. Vous connaissez bien, vous allez réagir en commentaire. OK? À votre avis, lorsqu'on parle de sponsoriser une page ou une chaîne YouTube, c'est dans le but de quoi? Si vous répondez à ça, le débat est clos. Bref, maintenant on va parler de Kedje Vara. C'est très important, les amis. Excusez-moi les fans de Kedje Vara qui me suivent aussi. De m'être attardé si c'est attardé là. Mais sachez que moi, je respecte beaucoup Kedje Vara. Vous savez pourquoi? Il a fait sortir un clip bizarrement qui n'a pas encore les 50 000 vues. Et pourquoi? Pourquoi? Le morceau est tranchant, chic. Et excusez-moi pour des questions de droit d'auteur. J'ai pas voulu faire un montage avec quelques parties du clip. Sinon, franchement,
Le clip toucher le sol de Kedivara, c'est un chef-d'œuvre. Tu sais que la magie, vraiment, tu es vraiment un ingénieur. Tu es vraiment fort. Tu es fort. Tu es fort. Il n'y a rien à dire. Donc, je fais cette vidéo pourquoi? Pour vous dire, quand vous finissez la partie Kedivara de ma vidéo, partez dans la barre de recherche YouTube et tapez Didi Kedivara, toucher le sol. Allez écouter le morceau. Allez regarder le clip. Vous allez voir que le mec là, on comprend maintenant pourquoi. Ça fait combien d'années? On dit Arafat est venu le détrôner, mais il est encore là. Il faut respecter ce monsieur-là. Donc, toutes mes félicitations à Didi Kedivara. Toutes mes félicitations à toi, frère. Tu es un pur talent de la musique ivoirienne. C'est-à-dire, maman Toilette a dit, vraiment, elle t'a vraiment accouché. Pour ne pas dire ça a accouché, mais au masculin. Parce que tu n'as rien volé. Ta mère est reconnue en tant qu'une très grande chanteuse de la Côte d'Ivoire. Donc je comprends pourquoi tu si intemporel. Pourquoi tu traverses toutes ces années-là. Je répète, cette vidéo-là, c'est pour inviter tous les fans de Kedivara, tous les vrais fans du coupé décalé, conscients surtout, d'aller chercher le clip sur YouTube. D'écouter le son et de regarder un peu le clip de Kedivara, le mec il bosse. S'il a fait sortir 100 sons, les 100 sons auront des clips. C'est ça un artiste. Et moi je le félicite pour ça. Je le respecte pour ça. Voilà. Toucher le sol DJ Kedivara, c'est très important parce que vous, je suis fatigué de mettre les liens en dessous des vidéos parce que vous ne savez pas comment faire pour aller regarder la vidéo. Donc vous tapez simplement DJ Kedivara, toucher le sol. Vous allez voir les clips. Où il habille un peu comme le feu roi Mobutu. C'est Seko. Ok, donc famille, franchement, il a tué le clip, le plus le son est tranchant. Vous vous rappelez bien, j'avais fait une vidéo comme quoi où je mettais les concepts qui moussaient actuellement. J'avais dit courir, wuyo, et pas dans pour tout. Toucher le sol, et pas dans pour tout. Donc, sachez que moi, je parle de tout le monde et je suis pour tout le monde. Voilà, je me perds jamais. Voilà, c'est les gens qui essaient de se perdre, les gens qui veulent me distraire. Mais moi, je suis là, je sais ce que je fais. Personne n'a été épargné si je te cherche. J'ai parlé de tout le monde. De Bordeaux Ligoufa. Je sais pas pourquoi cet artiste-là, malgré son silence, fait beaucoup de jaloux et provoque beaucoup de haine. Je sais pas pourquoi. Le mec qui faisait des directs où il vous insultait, il vous parlait très mal, ça vous énervait comme quoi, parce qu'il vous insulte, vous l'insultiez. Maintenant, vous le voyez même plus, à peine même s'il fait des apparitions. Mais malgré ça, on parle toujours de lui en commentaire. Le mec, il a réussi sa vie. Vous, avec vos passes 200, qui passez tout votre temps à dire qu'il fasse des concerts, qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela. Moi, je l'ai déjà dit. Donc, c'est ridicule de le dire aussi, les amis. On le sait tous. Mais il a réussi sa vie. Il s'occupe de beaucoup de personnes. Même s'il n'est pas multimilliardaire, comme on le désire, De Bordeaux est un artiste qui a marqué la musique ivoirienne. Mais toi, tu as marqué quoi de ta vie? Tu ne te poses pas ce genre de questions-là. Ça ne te dit rien. Tu ne culpabilises pas un peu pour dire je suis venu sur cette terre à peine pour commenter même une vidéo YouTube ou Facebook. Je suis obligé de souscrire 200 francs. Et là, il faut se ressaisir, hein. Voilà. Vos artistes et vos artistes que vous adorez là. Nous ne sommes pas tous obligés de les adorer. Donc qui se respectent entre eux. J'ai le droit de me fâcher aussi, mais tous, même vous, les ingrats là, vous savez que je suis porteur de paix, d'union et de réconciliation. Le mec, il fait son concert très VIP. Ce 30 mars, ça fait des jaloux. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. De Bordeaux, c'est De Bordeaux. Tous les fans de Bordeaux qui vont regarder la vidéo, j'aimerais bien, sans injure, sans que vous commentez tous les propos que j'ai dit dans cette vidéo, commentez simplement De Bordeaux, c'est De Bordeaux et partagez la vidéo. C'est de ça qu'il s'agit. Vous bavadez, mais lui, c'est De Bordeaux. Yazamiya, maman, les coulées, De Bordeaux. Ça, c'est De Bordeaux. Allez, j'ai que yabari, ça c'est des Bordeaux. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour cette chanson? Ça c'est des Bordeaux. Allez, tous les belles, coucou, tous les belles, coucou, tous les belles, boé. Allez, tous les belles, coucou, tous les belles, madala, nene, nina, ça c'est du des Bordeaux. Navagade, dogo, navagade, dogo, navagade, dogo, hey, que navagade. C'est du des Bordeaux. Position de pardon, position de pardon, position de pardon, do do do, de Bordeaux, les couvées.
Je n'ai pas fini de citer, mais tout ça, c'est du Debordeaux. Donc, fan de Debordeaux, sachez que Debordeaux, c'est Debordeaux. Donc, laissez les gens parler. Laissez les gens parler. C'est eux, les vrais diviseurs de la musique ivoirienne, parce qu'ils n'aiment pas entendre la vérité. Ils aiment rester dans la médiocrité. Donc, moi, dans cette vidéo, je vais juste demander aux fans de Debordeaux de sortir à Bruxelles, de casser le lieu de spectacle du concert de votre Debordeaux Likoufa. C'est très important aussi. Parce qu'on parle, mais bon, le fanatisme, c'est pas seulement sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous savez comment ils m'ont acculé pour que j'achète mes tickets, malgré tout le travail que j'abattais pour le concert du 31 mars 2018? J'ai acheté 4 tickets de 15 000, ça m'a coûté 60 000. Dieu seul sait comment ils me chargent pour acheter ces 4 tickets-là. Donc la balle est dans votre camp. Manifestez votre amour ce 30 là. Après ça, il y a beaucoup de dates encore. Mais marquez l'histoire à Bruxelles. Montrez aux mélomanes, aux adeptes du coupé décalé, que notre Debordeaux là, il peut nous remplir le zénith, il peut nous remplir le Bataclan, il peut nous remplir les Mont-Mat. Olympia, peut-être. Juste vous dire que c'est pas petit à 10. Et c'est vous les fans qui devez le montrer. Oui, vous regarde, j'attends les vidéos. Parce que c'est la plus grande date de sa tournée européenne. C'est 31 mars 2018. J'ignore, comme je pourrais le dire. Donc, prenez soin de vous. Quel que soit où vous vous trouvez. Et sachez que moi, c'est Hériton. Je ne cesserai de vous dire ce qui est bon pour notre musique ivoirienne. Ciao, ciao, que Dieu vous bénisse.